Eh bien, me revoilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais refaire le tuto que j'ai fait hier. Je m'y suis peut-être mal pris. J'ai refait le test aujourd'hui et ça fonctionne à merveille. Alors, pour le tracteur, c'est le trajet, je l'ai déjà fait. C'est chargement au démarrage. Et à la fin du trajet, on y met un stop et automatiquement le tracteur partira depuis son point de départ. Je vais maintenant passer au tracteur et vous expliquer ce que j'ai peut-être mal fait hier, mais comme actuellement on est sur une mise à jour 5.01.124, je crois même que maintenant il y a déjà 125, donc n'hésitez pas à remettre en ordre votre course-play. Et ce que j'ai peut-être fait faux hier, je suis peut-être parti trop près du tas. Je vais partir donc un peu plus loin et reculer aussi un peu plus loin. Donc ici c'est pareil, on y met le godet, ici aussi le godet. Là, on va mettre le godet un peu plus bas pour qu'on puisse monter sur le tas. Je vais donc faire comme hier, un départ, avec immédiatement un P. On se met au milieu du tas. Voilà, ici, un P, une marche arrière. Et ce qui est intéressant, je vais mettre une pause. Cette pause permet de faire des corrections. Voilà, ici je reste bien aligné sur les traces au sol. Et depuis ici, on peut rajouter les points si on veut. Ce n'est pas nécessaire, on peut directement enlever la pause. Et depuis ici, hier, j'ai tourné peut-être trop tôt. Je vais reculer un peu plus et tourner à partir d'ici. Ici, j'y mets une marche avant. Monter le godet aussi. Et s'il faut, on peut toujours corriger le trajet du tracteur. Ici, j'y mets encore une fois un P et une marche arrière. Et je vais en face de mon point ici. Une marche avant. J'avance un petit peu. On peut directement mettre le stop, mais je préfère moi corriger un petit peu ma position. Et là, j'y mets un stop. Le godet, je l'ai déjà réglé, hein. Sur la vidéo précédente, vous aurez toutes ces indications-là. Et on peut enregistrer et démarrer la course. Plus vite, ça va compenser. Peut-être pas trop vite au début, faut attendre que l'appel soit en bas. Une fois que vous aurez déplacé déjà quelques betteraves,
on pourra encore un peu accélérer. Alors, avec le godet, ici, on a, par défaut, ça se met, je crois, tout seul à 4 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez 6 mètres de large, ça équivaut à la largeur du godet. Donc, si le godet fait 6 mètres de large ou 8 mètres de large, le tracteur ne se déplacera pas. Si vous lui faites croire qu'il a un godet de 1 mètre de large, eh bien, il se déplacera beaucoup plus. Donc, je vais mettre un petit peu moins. On va même mettre avec la petite calculette, là, par défaut, les 2,50 m qui sont donnés. Et vous verrez qu'il tourne encore plus. J'en ai terminé avec mon tuto. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de mettre à jour votre jeu et bien entendu votre course play. Je vous dis à la prochaine. Salut !